Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en parfaite santé. Bienvenue sur votre chaîne Fatiha Hajjaj. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir deux choses très importantes. Comment tu vas faire une évaluation diagnostique et comment tu vas écrire un rapport de l'évaluation diagnostique. Donc restez avec moi à la fin. Et n'oubliez pas de faire j'aime à la vidéo et abonnez-vous dans ma chaîne et votre chaîne. Et maintenant, chère maîtresse, on va voir comment je vais écrire un rapport de l'évaluation diagnostique pour le niveau CP. Donc, on commence et on va lire tous ensemble. Donc, rapport de l'évaluation diagnostique. Après avoir fait la connaissance des élèves et surveillé les outils, les manuels et leur demander d'apporter celles qui manquent, et après, la motivation des élèves à faire des efforts supplémentaires au cours de l'année scolaire. En cours est d'essayer de profiter des expériences passées et de surmonter les difficultés. On a adopté un ensemble d'activités écrites et orales permettant d'évaluer les acquisitions et surveiller les lacunes pour les surmonter à l'avenir. En s'appuyant sur une variété d'activités simples et globales et en créant une atmosphère de compétitivité entre les élèves. Voici les activités. Donc, au niveau de l'oral, nous avons demandé aux élèves de se présenter, dire les jours de la semaine, les mois de l'année et parler de son école. Au niveau de la lecture, nous avons demandé aux élèves de lire les lettres de l'alphabet, des syllabes, des mots et des petites phrases. Et au niveau de l'écriture, nous avons demandé aux élèves d'écrire des lettres, des syllabes et des mots. Cette évaluation nous a permis d'avoir une vision globale et claire sur la réalité de la classe,
les besoins des élèves, les lacunes et ainsi de suite. Afin de planifier des remédiations et orienter nos choix didactiques. Et voilà mes chères maîtresses, j'espère que vous appelez bien cette vidéo et qu'elle attire à votre attention et répondra à vos besoins. Merci pour votre attention et prière, n'oubliez pas de faire j'aime, abonnez-vous et partagez avec vos amis.